Quiero presentar a Maeve Soulas. Ella es responsable de desarrollo de la comunidad Silver Valley de Francia. Acércate. Silver Valley representa un grupo de agentes únicos en Europa. Reúne más de 300 organizaciones francesas y europeas de la economía del envejecimiento. Su misión es preparar y entender la sociedad para la longevidad y también acelerar el desarrollo y la llegada al mercado de soluciones innovadoras. Y Raquel, te pedía que te quedaras porque has mencionado la importancia de las alianzas y los acuerdos de colaboración y os une a Silver Valley y a Denver un acuerdo interesante. Sí, así es. Bueno, tanto las oportunidades como el reto del envejecimiento es algo común en muchos de los países a nivel mundial. Por tanto, tener una mirada internacional es también en este ámbito es fundamental, ¿no? Y en nuestro caso, pues esta primera mirada ha sido a Francia, porque Francia ocupa una posición de liderazgo en el ámbito de la Silver Economy. Y en este sentido, Silver Valley es un agente referente por los diferentes aspectos que a continuación detallará Maeve, pero sobre todo por su gobernanza público-privada y por el impulso a la experimentación y al emprendimiento. Entonces, es por ello que acabamos de firmar un acuerdo de colaboración donde básicamente pues, se aunan tres ejes, ¿no? Por un lado, lo que es el conocimiento, el intercambio del conocimiento mutuo, el impulso y la identificación de las sinergias entre las diferentes iniciativas de ambos lados del territorio y convertirnos en plataformas de asesoramiento y orientación para aquellas iniciativas que están en el País Vasco y que quieren acceder al mercado francés y viceversa. Gracias, Maeve. Pues muchísimas más gracias, Raquel. Le voy a pedir también a Maeve que profundice en esas líneas de colaboración entre Silver Valley y Denver, pero también que nos cuente cómo potencia Silver Valley el crecimiento de la economía plateada en Francia. Adelante. Eskaliscarco a Denver y... Eskerrik asko Adinberri y Diputación Foral de Gipuzkoa por la invitación. Je vais devoir continuer en français, c'est beaucoup plus simple. Mais un grand merci, donc je suis là pour vous présenter Silver Valley, donc, qui est le premier pôle d'innovation européen dédié à la longévité. Donc on est il y a plus d'une dizaine d'années au travers de constats. Donc il y a un fort potentiel, comme on le sait tous aujourd'hui, de chiffre d'affaires dans la silver economy et un besoin. Donc on sait que d'ici 2025, il y aura une arrivée des boomers dans de la dépendance. Et donc du coup, il faut des solutions pour les accompagner, pour les soutenir. Mais ce que nous remarquons chez Silver Valley, c'est vraiment qu'il y a des startups dynamiques, mais qui ont besoin d'accompagnement et de soutien pour devenir les prochaines licornes. Donc c'est au travers de ces constats que Silver Valley a créé une offre de service qui est là pour vraiment rendre accessible à tous des solutions qui sont adaptées à leurs besoins, donc que ce soit dans la prévention et l'adaptation par exemple du logement pour rester chez soi plus longtemps ou jusqu'à la perte d'autonomie et des fois la dépendance. Donc pour ce faire, nous avons une offre de service, donc vous pouvez voir nos trois axes principaux donc qui sont bien sûr rencontrés. C'est important qu'on soit une start-up, un grand groupe, une PME. Il faut absolument pouvoir rencontrer et élargir son réseau pour pouvoir travailler ensemble. Donc tous ont besoin de se challenger, de travailler et d'échanger. Donc c'est pour ça que nous avons des événements, donc que ce soit par exemple des speed meetings où des start-up et des grands groupes peuvent se rencontrer, échanger, partager leurs conseils, leurs astuces, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent afin de se soutenir. Nous proposons aussi des speed expertise, car les start-up notamment ont besoin d'aide et de conseils dans différentes thématiques. Donc nous permettons à nos start-up membres de pouvoir rencontrer des experts en communication, par exemple, ou des experts juridiques, des avocats, afin de se faire conseiller sur les problématiques de l'entrepreneuriat. Le deuxième axe, c'est réussir. Il faut challenger pour développer. C'est ça, on le sait. Donc nous avons inclus dans notre offre de service des mercredis l'entrepreneur. Ce sont les moments où Silver Valley va pouvoir vraiment faire un tour 360 des projets de nos 300 membres pour voir avec eux voilà, quelles sont les problématiques, quels sont les besoins, les trous dans la raquette pour pouvoir vraiment, avec notre expertise des 10 dernières années, les accompagner, les soutenir, ce soit à travers des mises en relation qualifiées avec des autres experts et entreprises de notre écosystème, que ce soit au travers de partage d'expériences, je reviendrai un petit peu après là-dessus,
Mais nous proposons aussi, et comme ça a été dit par Juan Carlos, ça a été dit par Adine Berry, des concepts crash. Les seniors doivent être au cœur des projets. On le sait tous, on l'a compris. Donc les concepts crash proposent, sont des événements qui proposent aux entrepreneurs de rencontrer notre communauté de 9000 seniors afin de pouvoir pitcher sa solution, avoir des retours et co-construire avec les seniors. Car il faut que les solutions proposées soient utiles et pertinentes. Un entrepreneur ne peut pas avoir vécu une expérience avec un senior et se dire, voilà, je vais sortir cette solution et ça va être adapté à tous les seniors. Donc notre communauté de 9000 seniors permet vraiment de pouvoir rencontrer différents profils, différentes catégories de seniors pour vraiment pouvoir co-construire. Et le troisième axe, c'est découvrir. Donc chez Silver Valley, nous avons plusieurs outils pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit sur l'entrepreneuriat pur ou sur la montée en compétences, sur la longévité. Donc nous avons par exemple une base, une plateforme de contenu sur notre site internet, donc qui recense des documents, des infographies qui émanent de nos échanges et de nos rencontres avec notre communauté de seniors. Nous lançons aussi cette année l'étude La France des seniors. Donc n'hésitez pas au printemps à vous connecter sur notre site internet pour regarder cette étude. Nous avons vraiment en fait passé du temps avec des seniors partout en France pour comprendre leurs problématiques, comment ils vivent leur quotidien et les interroger et questionner sur différentes problématiques. Donc, par exemple, sur les seniors et le bénévolat, ou les seniors et le parcours résidentiel, les seniors chez eux. Donc voilà, ce sont plein de choses que nous allons publier prochainement. Je viens bien sûr vous parler un petit peu aussi de la France. Donc nous avons remarqué qu'il y a 3 marchés de Silver Economy, donc c'est plus ou moins la même chose dans tous les pays. On ne peut pas comparer un senior qui est tout juste retraité avec un senior qui a 95 ans et qui est en perte d'autonomie. Donc il faut 3 marchés différents avec leur propre financement, avec leur propre accompagnement et leur propre économie. Le premier marché est celui de l'ajustement de l'avancée en âge. Donc ça, ce sont bien sûr les marchés voilà, qui touchent environ 16 millions de Français, donc 25% de la population française, avec des produits qui ont un design qui est ergonomique, qui est universel, qui n'est pas stigmatisant et qui leur permet de voilà, se projeter vers l'avenir parce qu'ils ont vu leurs proches, ils ont vu leurs parents tomber dans la perte d'autonomie, donc ils peuvent commencer à préparer leur avenir. Le deuxième, c'est compenser les risques liés à l'avancée en âge. Donc ça, ce sont voilà, pour 7 millions de Français, donc à peu près 9% de la population française, ce sont des biens et services qui visent à compenser certaines pertes d'autonomie, que ce soit physique ou cognitif. Et le troisième marché, c'est celui, bien sûr, de gérer la perte d'autonomie liée à l'avancée en âge. Et c'est le premier auquel on pense quand on se dit senior. On imagine voilà, les seniors qui n'ont plus du tout d'autonomie, que ce soit physique ou cognitif, et qui ont besoin d'être surveillés, accompagnés au quotidien. Alors qu'en réalité, ça ne représente que 2 millions de personnes en France, donc c'est 2% de la population française, et c'est seulement 20% des plus de 85 ans. Donc il faut impérativement, quand une entreprise se crée, qu'elle ait en tête les différents marchés, qu'elle ait en tête les données pour pouvoir vraiment proposer une solution pertinente. Je vais très rapidement vous parler des signaux de la société qu'on a repérés chez Silver Valley. Donc le premier, c'est les seniors et le numérique. Donc ça a été mentionné plus tôt par Juan Carlos. Chez Silver Valley, nous avons remarqué au contraire que la plupart des seniors en fait, sont tout à fait à l'aise avec le numérique. Et d'ici 5 ans, la majorité sera tout à fait en capacité d'utiliser une solution qui soit sur tablette ou qui soit sur plateforme sur Internet. Ils n'ont aucun problème. Il faut bien sûr continuer de leur apprendre, mais ils sont tout à fait ouverts au numérique et notamment au travers de la crise qui les a poussés à se pencher sur cette technologie pour pouvoir rester en contact avec leurs proches. Vous avez le service à la personne. Il faut former de plus en plus de personnes. Il y a un manque. On doit recruter 93 000 personnes dans ce domaine en France dans les 5 prochaines années parce qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Le troisième signal faible, c'est le soutien au domicile et l'adaptation au logement. On le sait, les seniors veulent rester chez eux plus longtemps, mais on ne peut pas avoir seulement le logement et puis l'EHPAD. Donc il y a de plus en plus de solutions qui se créent pour être entre les deux, et donc ça peut être de la colocation intergénérationnelle, de la colocation intragénérationnelle, mais ce sont aussi des maisons autonomie. Voilà, ce sont plein de solutions qui existent et qui permettent de proposer aux seniors de vivre avec d'autres personnes sans forcément aller dans un EHPAD, donc une maison médicalisée. Donc ça nous emmène au parcours résidentiel et la mobilité, clé chez les seniors comme enjeu.
Il faut absolument que toutes les sociétés adaptent leur transport en commun, adaptent les voies cyclistes, adaptent les véhicules pour que les seniors puissent continuer d'être mobiles et autonomes le plus longtemps possible. Et finalement, on n'y passe pas souvent, mais il y a la nutrition. Les seniors, maintenant, ils ont l'habitude d'avoir leur propre régime alimentaire. Ils savent qu'ils peuvent vivre plus longtemps et en meilleure santé, donc ils veulent prendre soin de leur corps. Et donc, ça a permis un boom et une croissance très forte sur les compléments alimentaires. Je vais me dépêcher, hop, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, excusez-moi, et vous parler un petit peu, donc compléter Raquel, ce qu'elle vous a présenté. Donc, Silver Valley, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? On est là parce qu'il y a vraiment un écho entre Adine Berry et Silver Valley. On veut tous propulser les entreprises. On veut proposer des solutions et des biens qui soient utiles, mais on veut que ce soit fait vraiment pour les seniors et avec les seniors. Donc c'est pour ça qu'on a un partenariat qu'on a signé pour travailler ensemble. Et l'optique, c'est vraiment de permettre, par exemple, donc à des entreprises espagnoles qui veulent venir en France d'être accompagnées, de pouvoir comprendre le marché, l'écosystème, car c'est très dur d'arriver dans un nouveau pays sans connaître l'écosystème et les acteurs. Pouvoir s'aider, être aidé dans la recherche de financement, pouvoir rencontrer des utilisateurs, donc comme notre communauté de seniors, pour tester et se faire challenger, parce que ce n'est pas forcément les mêmes besoins en Espagne et en France. Et c'est idem pour les Français, on est vraiment dans cette optique de sensibilisation des entreprises françaises, au travers du partage des événements qu'Adine Berry va organiser, au travers du partage des études et des recherches qu'ils vont faire. On va sensibiliser nos startups pour leur permettre de comprendre ce marché, de découvrir un nouvel écosystème et de se faire accompagner par Adine Berry dans leur développement en Espagne et dans la région Guipuscoa. Merci beaucoup. Ha sido un placer.